Depuis le retour du dictateur Denis Sassou Nguesso aux affaires, après son coup d'état militaire soutenu par Jacques Chirac, ancien président de la République française, jamais le Congo n'a été aussi divisé. L'instauration structurelle du tribalisme au sein de l'appareil de l'État exacerbe toutes les couches sociales, au point que la jeunesse congolaise tente de dresser un bilan à celui que l'on qualifie Monsieur Safou, une dénomination qui titre sur l'ensemble des promesses non tenues par le voleur Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, après avoir passé près de 40 ans à la tête de la République du Congo, le tyran congolais est vomi par l'ensemble de la population. Certains activistes congolais exilés à l'étranger, notamment en France, face caméra, disent attendre la mort de ce dernier. Des gens qui ont peur de leur tableau clinique, qui sont en train de venir en cachette. Oh, il est à l'hôpital. Eux-mêmes, ils ont propagé de nouvelles. Oh, il est mort. Ils ont menti même à leur entourage pour voir la réaction du peuple. Vous n'avez même pas besoin de mentir pour voir la réaction du peuple. Vous n'avez même pas besoin. Vous savez très bien que la mort d'Antoinette et de Sassou sera une fête nationale au Congo. Vous le savez très bien. Vous n'avez même pas besoin de tester la réaction des Congolais. Vous savez que les Congolais n'attendent que ça. Votre mort, parce que vous n'êtes pas éternel et ça finira par arriver. Des propos certainement violents pour les partisans minoritaires du tyran Denis Sassou Nguesso. Cependant, la cohérence des idées de cet activiste repose sur des faits indéniables. L'état de santé du tyran congolais se dégrade et l'inévitable peut se produire à tout instant. Les divisions à l'interne sont une illustration de la frustration de certains caciques du PCT qui ne soutiennent pas l'idée selon laquelle le pouvoir soit transmis à son fils Christel Sassou Nguesso. L'avenir nous le dira, dans la vie comme en politique. La conscience a une date d'expiration. Dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Merci de vous abonner. Au revoir.